What's up, my boys and chains? J'ai devant moi le meilleur jeu de la Terre. Aujourd'hui, on est sur Bad Guys at School. J'incarne un personnage qu'on va appeler Ron Weasley. Et en fait, c'est son dernier jour de cours aujourd'hui. Après, il change d'établissement. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire, les mecs? On va foutre le zbeul. Alors, voici notre. C'est quoi, un lycée? C'est un collège? C'est quoi ça? Oh, ça, c'est Neuville-Londubat. Mec, il a que des références à Harry Potter, tu sais. On dirait, c'est les gens, ils veulent nous faire du mal, ça, tu vois. T'inquiète pas, frérot, ok? On les connaît, les gens qui te volent ton goûter, hein. Ah, moi, ils faisaient pas ça. Moi, c'était plus. Regardez comme il s'habille mal. Regardez comme il a plein de boutons sur le visage. Ouais. On va aller dans le lycée, on va un petit peu visiter. Je sais pas du tout ce que je dois faire, mais j'ai pas forcément kiffé mes années de collège et lycée. Je me faisais vraiment chier. La seule chose que je voulais en fait, c'était de vite que mes cours se finissent pour que je remonte chez moi le plus vite possible pour que je joue comme un gros porc. Mais attends, mais ça c'est de la physique chimie. Oh, la physique chimie, comment j'aimais pas ça là. Oh là là, surtout les ateliers de retenir tous les noms des fioles, je sais pas quoi. La fiole Tupperware, la fiole mais qu'est-ce que je. Mec! Hein, sur mes cahiers, qu'est-ce que je notais? Je notais la prochaine stratégie Clash Royale que j'allais faire pour mes nouvelles murailles. Où il y avait encore les tutos de The Fantasy 974 pour savoir comment crafter une table d'enchant. Tu vois, c'était ça un petit peu ce que je faisais entre 2-3 cours, quoi. Mais là, mec, Ron, c'est ton dernier jour, Ron, ok? Du coup, tu peux faire ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on doit faire? Taguer 5 murs de l'école. Oh! Ah ouais, c'est extrême quand même, c'est extrême. Moi, déjà, c'est le dernier jour. Il faut que j'aille parler à ma petite copine, d'accord? Enfin, c'est pas ma petite copine, mais enfin, pour moi, c'est ma petite copine. Elle sait même pas que j'existe, d'accord? C'est elle. Non, c'est pas elle, non, elle est moche. C'est elle, non, c'est pas elle aussi. Ah, elle est où? Putain, je l'ai paumée. Oh, elle est là, je l'ai vue. Ron, écoute-moi, Ron, t'inquiète, tout va bien se passer. Où est-ce qu'elle va? Elle est là. Ok, j'y vais. Ouh. Ok. Maîtresse? Oui, enfin, je vous ai pas dit, c'est pas une de mes camarades, c'est ma maîtresse en fait. Le mec, il a créé sur sa maîtresse. Non, mais c'est pas une maîtresse, ça. Non, mais les gars, à mon âge, en fait, c'est une maîtresse qui est jeune. Attends, je veux te parler. Oh, excuse-moi. Comment on parle aux gens ici? Oh non, je veux pas taper, t'es un... Mais mec, Ron, calme-toi. Elle me calcule même pas, elle m'a jamais calculé. Et je me mets là. Désolé de te bloquer le passage, mais en fait, je voulais te dire que... Baisse pas les bras, mec, deuxième tentative. On va la bloquer dans l'escalier. Excuse-moi, je voulais te dire que... En fait, genre, je te trouve très belle et du coup... Coupé. Je vous explique, histoire vraie, hein. Histoire vraie. Dans la classe, je sais pas encore si c'est le cas, mais les mecs populaires, c'était les gars qui jouent au foot. Les mecs pas populaires, c'était les geeks, ceux durant la récréation qui étaient sur leur portable et qui jouaient à Clash Royale. Tu vois, délire. Je faisais partie de ces gens-là. Là-bas, tu vois, lui là, lui c'est un mec populaire, ça se voit, tu vois, il fait 2 mètres, il est énorme. T'as l'impression que le mec, il a pas le même âge que toi. Toi, t'as toujours pas de barbe, et le mec, il est déjà musclore, tu te demandes comment il a autant de testostérone, tu vois, délire. Quasiment, il est dopé, le gars. Du coup, ouais, personne t'intéresse à toi, tu vois. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu joues jeu vidéo. Voilà, on va retenter. Mais regarde, on va retenter. Salut les filles. Salut, je m'appelle Ron. Ça va? Réponds-moi, wesh. Oh, ok, bon, on va arrêter avec les filles. Si je peux taper, on va aller voir mon ennemi juré de cette année. Cette personne-là, tu sais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cafeté à mon prof d'SVT que j'avais triché, ce bâtard. Il a pas fait que ça, hein. Je vais pas dire qu'il a volé mon goûter parce que là, les amis, ça m'est jamais arrivé que quelqu'un vole mon goûter parce que je n'avais pas de goûter. Il est où? Il est où celui qui m'a cafeté à la prof d'SVT? Il est où? Je le mets KO. Harry Potter, t'aurais vu Dudley? Il est où Dudley? Il est où Dudley? Oh! Il a pas Dudley. Oh putain, ils sont deux. Ils sont deux. Ok. Stratégie. Mais quand t'es plus petit, il faut trouver des stratégies, d'accord? C'est quoi, mec? Stratégique? On va le prendre par derrière, d'accord? C'est pas ouf de prendre quelqu'un par derrière, mais ils sont deux, ok? Pas. Qu'est-ce qu'il fait, frère? Pas. Tiens. T'es capable de dire qu'à la prof d'SVT que j'avais triché? Occupe-toi de tes affaires. Tuer. Non, c'est un jeu vidéo, tranquille. Genre, on joue au basket, là. Ah, c'est quoi, ça? Oh, la corde. T'en as fait une dinguerie, là, quand même. Oh, c'est la bibliothèque. Ah, moi, je passais beaucoup de temps dans le CDI. Hein. Et, ce qu'il fait, c'était lire les mangas. Et tellement, je passais de temps, en fait, dans le CDI que j'avais déjà tout lu. J'arrivais à un stade où je connaissais toutes les bandes dessinées, frérot. T'as que des Harry Potter. Non, mais frérot, là, ils ont mis Harry Potter 1. Ils ont mis Harry Potter 2. Avec une chaîne en or. Oh, comme elle fait peur. Rendre les livres en fin d'année. Qu'est-ce que c'est chiant, frérot, hein. Tu sens que t'approches de la fin d'année quand c'est lourd. Quand ton classeur, il va explosé. À cause de elle, j'ai une scoliose. Parce qu'ils sont pas capables de nous acheter des tablettes qu'on doit se prendre je sais pas combien de livres. Bam! 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 Hein? Oh! Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a attrapé l'oreille comme si j'avais 3 ans et demi. Ah, il faut que je parle avec lui. Ok, alors, il y a le boss. Le boss des boss, là, c'est lui, là. D'ailleurs, il fait partie de Gryffondor. Il veut que je tague les murs. Ok, bon. Allez, on repart pour taguer les murs. Mais là, c'est une dinguerie ce que je vais faire pour taguer les murs. Ce que je me pose comme question, c'est quelle est la plus pire connerie que vous ayez jamais faite en cours? Dites-le moi un petit peu dans les commentaires, je vais me taper une barre à vous lire. Moi, je sais pas, c'est quoi la plus grosse connerie que j'ai faite en cours? Je me suis jamais fait convoquer. En fait, j'étais un élève, tu vois. Je faisais croire que j'étais un bon élève alors que j'étais pas un bon élève. Oh, tiens, on vient trouver. Pour aller taguer les murs. Faut pas que je me fasse repérer. Personne à droite, personne à gauche. Faut que je prenne ça. Oh, le tag. Oh!
C'est un éléphant. Non mais c'est un éléphant. Hé, hey, toi t'es serpentard toi. Dégage. Voilà, laisse ma meuf tranquille là. Du cerf d'aigle. Ça va? Je m'appelle Ron. Ouais, je suis pas mal hein. T'aimes bien ma coupe ou pas? Hé hey, t'aimes bien ma coupe, je t'ai dit? Hein? Pourquoi personne veut me parler? Hein? Reviens là, où tu vas? Où tu vas? Salut où... monsieur. Oh, 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 salut, ça va? Ok, personne à gauche, vas-y. Non mais c'est. Mais c'est pas ce que vous croyez, regardez. Voilà. Non mais toi t'es ouf toi. On va même faire la cicatrice d'Harry Potter. Voilà. Là on va faire un truc mieux, ok? Abonne-toi. Non mais c'est. Mais frérot, je fais ma pub dans mon lycée. Moi au début quand j'ai commencé YouTube, frérot, mes deux plus gros fans c'était mon meilleur pote et mon second meilleur pote. Ma mère, si, mon père. Oula! Oula là, c'est quoi ça? On va mettre une dynamite. Attends, quoi? Mais je m'attendais pas à ça. Ouais, je suis désolé. Je pensais pas que j'avais une dynamite dans mon abonnement. J'ai lu la dynamite, c'est quoi ce bordel? Oh, bombe puante. Mais non. Et la corde, les gars, ça sert à quoi? Quoi? Mais quoi? J'ai les gars, j'ai attrapé un poisson. J'ai attrapé le poisson mythique. Mais c'est quoi ce jeu de malade? Je le remets à l'eau, il a bientôt plus d'oxygène. Je suis désolé, frérot, je te ramène à l'eau. C'est bon, il va bien. Oh, mais qu'est-ce que je viens de faire comme dinguerie? Mais quoi? Oh putain, il y a un professeur. Google Life. Je peux pas tag. Tranquille, il m'a pas vu. Mais c'est un copie. Plus 5 en réputation. Tu gagnes de la réputation parce que t'as tagué des murs. Yo mec, c'est bon, j'ai tagué les murs. Quoi? Je dois utiliser ça sur 5 élèves. Bah Dudley hein. Eh hey, les gars, non mais vous puez les gars, vous avez pas mis de déo aussi. Et les meufs, regardez, j'ai un jeu trop bien. Hop là. Oh, il veut me taper lui. Qu'est-ce que tu fais toi, Dudley? Bah ouais, c'est comme ça que tu traites Harry Potter. Eh, hey, tu vas te calmer hein. Neuf, c'est un fou. Attends, mais il veut que je le tape. Je le détruis. C'est bon, pam. Voilà, file-moi ta tunasse. Vas-y, sur lui là. Mission accomplie, voilà, plus 5 réputation. Hop là. Ça fait plaisir. Oh, nouvel item, skateboard. Ça fait plaisir. J'en ai fait une fois du skateboard, je me suis fait mal, j'ai arrêté. Smash la voiture du principal. Quoi? Avec une patte de basketball? Mais là, mais mec, on va se faire plaisir. Mec, c'est quoi cette école? Attends, me dis pas que si je fais ça, je prends la batte. Quoi? Oh! Mais couille. Mais mec, mais il se prend pour qui? Tu crois que t'es le boss? Parce que c'est plus grand que moi. Il est où? Tu veux détruire? Il est là. Ok. Bam. Ah merde, putain, il y en avait un autre derrière. Vas-y, putain, mais... T'inquiète. Ne reproduisez pas ce que vous voyez, les amis. Hein. Allez, je prends mon petit skate que j'ai débloqué. Est-ce que je peux l'utiliser? Ah ouais, regardez. Oh, la dinguerie, je vais beaucoup plus vite. Tu as les losers? What? C'est quoi ce jeu de ouf? Oh! Alors les mecs, on joue au rugby? Je peux jouer avec vous ou pas les gars? Eh, je peux jouer au rugby avec toi frère? Eh. Il m'a manqué de respect, je suis désolé. Non mais frérot, je... Ne tu veux pas jouer avec toi? Hein? Ne tu veux pas jouer avec toi? Boum! Ok! Y'a quoi? Y'a quoi maintenant? Y'a rien du tout. Voilà, je vais montrer comment je suis fort. Yeah, hop là. Oh putain, quoi? Je vais voler la balle, ils sont vénères! Ouais, ils sont vénères de ouf! Oh putain de merde! Oh la dégris! La dégris! Oh putain! Je peux pas jeter la balle, merde, comment je fais? Oh, regardez. Smart de ouf, regardez. Hop là! Bah alors les mecs, vous êtes bloqués? Ils sont bloqués, les bombes, j'allais me cacher. Putain, je peux pas jeter la balle! Attends, je sais. Hop là, j'ai caché la balle, moi je crois que je suis caché, ils me verront plus. J'adore ce jeu les gars, pétez-moi sa barre de pouce bleu si vous kiffez, si vous voulez que je fasse une autre partie ou quoi. Et abonne-toi à la chaîne si t'es nouveau, c'est très important les gars, rejoignez la team. Regarde, ils se boudent. Il a pété la balle. Alors j'ai la batte, il faut que je trouve la voiture. Ok, la voiture elle doit être là-bas. On va trouver la voiture du principal, on va se faire un malin petit plaisir. Y'a quoi comme voiture? C'est ta voiture principale, il lui fait croire quoi le principal? Tu sais le principal il fait trop le mec en mode, tu sais il a pas de team alors que c'est le principal, ça veut dire. Hop là. Il va passer des bonnes vacances, le principal. Voiture explosée, il pourra pas partir. Bam! Bam! Oh! Oh my god, c'est pas moi. Quoi? Je dois commencer et gagner une bataille à la cafétéria. Je commence un fight. Je prends la batte instant. Hello! Ça va les potos? Alors, qui c'est que je vais taper? Quelle question, il y a Dudley. Dudley, écoute-moi. Un jour, t'as voulu voler mon dessert? Oh, je suis désolé. Bam! Relève-toi pas, frère. Reste au sol. Oh, fin du jour 1. Eh bien, je crois que les amis, c'est bon. Nous sommes en vacances. On a réussi à tout faire. On a pas voulu parler à notre crush, à s'en est battu les couilles. On s'est vengé Dudley. On a mis le feu à la caisse du principal. On a fait notre pub de notre chaîne YouTube sur les murs du lycée. J'adorais, le temps est passé tellement vite. J'espère aussi que t'as passé un bon moment en compagnie. Si c'est le cas, tu veux une partie 2, ben pourquoi pas à la rentrée? Continuerai. Et je ferai ma rentrée dans ce jeu vidéo. En tout cas, je vous souhaite de très belles vacances. Ceux qui ont la chance de l'être en tout cas. Profitez du soleil. Mais profitez aussi de geeker. Mais profitez de geeker entre potes. Bam. Code de chaîne pour livrer de la team. Si tu vois la chaîne, mec, c'est ceux qui s'abonnent. Et surtout ne clique pas là. Voilà, non, ne clique surtout pas là frérot. C'est interdit. C'est une chaîne. Ciao bye. C'est...